Si toi aussi, pendant ta mise en quarantaine, tu sais pas quoi faire, viens relever le défi. Oh yo! Alors aujourd'hui, petit défi quarantaine. Donc d'un côté, on aura la team Rinner et de l'autre côté, on aura la team Manonou. Donc tout de suite, je vous explique en quoi consiste ce défi. Donc le défi consistera en un AMRAP de 20 minutes sur 12 heures par team. Donc un tour correspond à 10 burpees, 10 push-up, 10 air squat et 10 sit-up. Il faudra faire un maximum de tours en 20 minutes avant de passer le relais. À la fin des 12 heures, on totalise le nombre de tours complets réalisés par chaque membre de l'équipe. Donc, pour commencer, il y a 10 burpees. Donc les burpees, je vais vous donner tous les points de performance de tous les exercices. Donc pour les burpees, je pose mes mains au sol. Je balance les deux jambes derrière, je pose genoux, hanches, poitrine au sol, je suis complètement allongé au sol, je me relève, je ramène mes deux jambes en même temps et je viens sauter les bras au-dessus de la tête. Donc ça donne ça. Ça fait 1, il y en a 10 à faire. Donc le deuxième exercice, ce sont les push-ups, donc les pompes. Vous pouvez les faire sur les genoux ou sur les pieds. Donc, si je les fais sur les genoux, j'ai genoux, hanches, épaules alignées. Je viens toucher la poitrine au sol. Par contre, mon ventre et mes cuisses ne touchent pas le sol. Et je remonte. Si je le fais sur les pieds, c'est pareil. Donc je descends, je viens toucher la poitrine au sol. Mon ventre et mes cuisses ne touchent pas le sol. Et je remonte. Troisième exercice, ce sont les air squats. Donc pieds largeur des épaules, les pieds légèrement vers l'extérieur. Et on vient casser la parallèle. Donc je descends, je pousse les fesses en arrière, les talons en contact avec le sol. Je descends et je viens casser la parallèle. Donc le pli de la hanche sous le pli du genou. Et je remonte. Et ça fait 1. Extension complète des hanches et des jambes. 2. Et 3. Et dernier exercice. Donc le dernier exercice, ce sont les sit-up. Donc les abdos. Je calme les deux pieds devant, je viens toucher devant, je m'allonge, je viens toucher derrière et je viens toucher devant. Ça fait 1. Et ça, ça fait 2. Donc voilà pour les points de performance des 4 exercices, il y en a 4. Donc des 4 exercices, il va falloir faire 10 répétitions de chaque exercice pendant 20 minutes. Au bout des 20 minutes, on compte le nombre de tours. Attention, si on ne finit pas le dernier tour au bout des 20 minutes, il ne compte pas. On compte le nombre de tours valides. À la fin, on additionne tous nos scores et au bout de 12 heures de relais entre chaque équipe, ben, on verra qui c'est qui gagne. Donc à votre avis, c'est Teddy ou c'est Florent qui va gagner? Lâchez un commentaire.